Jeudi 24 octobre à 19h, le Ménébrit régional vous invite à une conférence au centre Kling, 3 avenue Jean Médecin à Nice, et dont le thème sera le Bet Alochem, l'organisation des Invalides de Tsahal. Une soirée animée par Hubert Habib, président du Bet Alochem France, que l'on retrouvera un tout petit peu plus tard dans le courant de cette interview. Aviva Diana, bonjour. Bonjour Alexandre. Juste avant de développer l'objet de la conférence, quelques mots peut-être sur le Ménébrit. Merci de me donner l'occasion de vous reparler du Ménébrit. Comme j'ai eu souvent l'occasion de le préciser sur cette antenne, le Ménébrit est une organisation internationale accréditée comme ONG à l'ONU et présente à l'Union européenne, à l'UNESCO et au Conseil de l'Europe, à Strasbourg. Elle réunit des juifs de toute origine pour servir les communautés dans lesquelles ils vivent en se conformant à la devise du Ménébrit, bienfaisance, amour fraternel, harmonie. C'est une des organisations les plus anciennes, puisqu'elle date de 1843. Aviva, pour en revenir à la soirée que vous voulez promouvoir, et pour les non-initiés, quelques mots peut-être aussi sur le Bet Alochem. Merci de me donner la parole pour me permettre de vous présenter la conférence que nous organisons le 24 octobre à 19h au Centre Kling à Nice. Nous recevrons en effet Hubert Habib, président du Bet Alochem. Le Bet Alochem, c'est une organisation à but non lucratif qui a été créée en 1949, un petit peu après la guerre d'indépendance, dans le but est de fournir aux combattants blessés tout ce qui leur est indispensable pour faciliter leur réinsertion. Il faut savoir, et c'est important, que c'est la seule entité légalement reconnue pour représenter les Invalides de Tsahal. Hubert Habib, bonjour. Bonjour, bonjour aux auditeurs de la Côte d'Azur. Tout d'abord, quelle est la philosophie, la mission portée par le Bet Alochem? Très simple, je vais essayer de raccourcir et je vais vous dire, je vais vous donner des verbes qui commencent tous par R. Et pour faire un résumé rapide, la première des missions de ces centres de Bet Alochem, c'est de reconstruire la vie des soldats handicapés, blessés handicapés. Reconstruire. Alors, comment reconstruire? La mission est triple, et c'est toujours avec des R. D'abord, la réadaptation. Donc, les blessés arrivent, après leur blessure, ils sont réadaptés. Par exemple, on leur ajuste un fauteuil roulant, une main articulée, etc. Ça, c'est la réadaptation. Le deuxième R, c'est la réhabilitation. Et la réhabilitation est importante parce que c'est la mission principale, c'est l'activité principale des centres, mais réhabilitation sur deux vecteurs. Le vecteur des arts, avec des ateliers de peinture, de sculpture, etc. Et le vecteur des sports. Alors, les sports est plus important parce que, malheureusement, comme vous savez, la plupart des blessés sont jeunes. Ce sont des fois des anciens sportifs. Donc, c'est très agréable qu'ils puissent retrouver leur vie sportive, même en fauteuil roulant. Et, enfin, le troisième R, c'est la réinsertion dans la vie sociale, dans la société israélienne. Et ça, c'est très important parce que, à ma connaissance, aucun pays au monde n'offre à ses blessés handicapés militaires la possibilité, comme ça, de se reconstruire en se réadaptant, en se réhabilitant et en se réinsérant dans la vie. Voilà. C'est-à-dire leur donner le goût, de redonner le goût de la rage de vivre au milieu des valides. Dites-moi, est-ce que l'on peut évaluer le nombre d'handicapés de guerre de toutes les guerres de Tsahal? Malheureusement, cette association, enfin malheureusement non, j'ai dit malheureusement, cette association, moi, personnellement, je souhaiterais qu'elle n'existe plus. Parce que si cette association n'existe plus, c'est qu'il n'y a plus de blessés. Bon, malheureusement, il y a toujours des conflits. Alors, depuis 1949, date à laquelle elle a été créée, nous comptons, jusqu'à maintenant, c'est-à-dire jusqu'au dernier conflit, environ 51 000 membres. Vous voyez que c'est important. J'ai dit bien depuis le début. Et, ceci réparti sur l'ensemble d'Israël? Oui, tout à fait. L'ensemble du territoire dont je vais vous donner les différents centres. Donc voilà, 51 000 membres, ce qui est très important par rapport à la population israélienne. C'est vraiment, malheureusement, c'est un pays qui souffre de ça, et c'est pour ça qu'il est heureux que la société israélienne vienne en aide à ses soldats. Alors maintenant, comment? Ils sont réhabilités, répartis sur le plan territorial. Il y a un grand maillage territorial pour que ces soldats, ces blessés, puissent aller facilement dans ces centres. Je vous rappelle d'ailleurs... Alors, il y en a combien? Où est-ce qu'ils sont implantés? Alors, il y a 4 centres actuellement. Il y a le siège à Tel Aviv, dans la banlieue nord, à Feka, près de Ramat Aviv. Vous avez aussi un centre à Jérusalem, un autre à Haïfa, et
un quatrième à Beersheba. Et aujourd'hui, il y a un cinquième centre en chantier qui est celui d'Ashdod. Alors vous voyez qu'avec cette répartition, les soldats peuvent aller très facilement dans la journée rejoindre leur centre sans faire trop de kilomètres. Et actuellement, tous les fonds que nous recueillons à travers le monde sont justement pour accélérer la fin de ce chantier d'Ashdod, ce cinquième centre qui aura, lui, en plus, une vocation thalassothérapie puisqu'il est construit au bord de mer. Alors justement, dans ces centres, qui trouve-t-on? Enfin, qu'est-ce qu'on y trouve? Quelles sont les activités qui sont proposées aux handicapés? Ah là là, elles sont extrêmement multiples. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a une réhabilitation dans deux axes. Alors d'abord, il y a un accueil, cafétéria, accueil, etc. Il y a donc évidemment des expressions culturelles, c'est-à-dire des ateliers de danse, de peinture, de sculpture. Tout ça, c'est pour réadapter ceux qui avaient par exemple qui ont perdu une main, etc. Mais surtout, il y a des équipements sportifs et des équipements kinésithérapie, les pilates, comme ils disent. C'est-à-dire que là, il y a une batterie de kinés qui les réadapte pour retrouver des mouvements. Vous avez des salles avec énormément d'appareils sur mesure, parce qu'il y avait évidemment des blessures sur mesure, pour récupérer un maximum d'énergie. Donc le sport est important. Alors pour parler du sport, laissez-moi vous dire justement que c'est très important, parce que les Beit HaLochem fournit chaque année un contingent de sportifs qui vont gagner des médailles dans les grandes compétitions sportives et aussi aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Et d'ailleurs, le comble, c'est qu'aux derniers Jeux Olympiques, ce sont les invalides qui ont gagné plus de médailles que les valides. Notamment, dernièrement, il y a eu une médaille d'or de Noam Oski qui a gagné la médaille d'or de tennis en fauteuil roulant. C'est une émotion absolument extraordinaire. Voilà, pour le sport. La France reçoit régulièrement, tous les deux ans, des équipes de Beit HaLochem pour concourir à des Jeux européens paralympiques. Et c'est toujours un plaisir de recevoir ces sportifs qui manifestent un courage, quand on les voit sur le terrain, extraordinaire. On est en admiration devant cette envie de ressembler aux valides et de retrouver une vie normale. Dites-moi, Hubert Habib, les blessés, les handicapés de Tsahal ont sûrement des familles. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu, justement, pour les familles, pour les accueillir? Alors là, c'est important, parce que il y a... Dans ces centres, il y a toujours ce qu'on appelle un GAN, ou une salle réservée aux enfants. Parce que, je dois vous rappeler d'ailleurs que les centres de Beit HaLochem ne sont pas des dortoirs. Hein. Ils ne sont plus dans un hôpital, ils sont dans une salle, un centre de réadaptation et de réhabilitation. Alors évidemment, toute la journée, notamment quand il s'agit de vacances scolaires, les épouses ou les époux, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de soldats, et donc il y a des espaces pour que les familles viennent passer la journée avec les enfants. Et j'ajoute, je dois vous dire aussi, ce qui est très agréable dans ces centres, c'est de voir cette ambiance intergénérationnelle. À chaque fois que je vais les voir, je vois des contacts qui se nouent entre un vétéran de la guerre du Kippour, parce que maintenant c'est des vétérans, et un jeune qui a par exemple perdu, qui est tétraplégique, de la suite aux invasions de Gaza, enfin aux guerres de Gaza, etc., ou victime d'un attentat, et voilà. Et ça, c'est formidable, parce qu'il y a une solidarité qui se noue entre ces soldats. Beit HaLochem, c'est leur dénominateur commun, et d'ailleurs ils l'appellent une deuxième maison. Ça veut tout dire, hein. Absolument, je vous assure. C'est pour ça que il faut aller visiter. Enfin, j'invite vos auditeurs, s'ils ont l'occasion d'aller faire un voyage en Israël, prendre quelques heures et d'aller visiter un centre. Non pas comme on visite un zoo, parce que je parlais tout à l'heure de dignité, mais voir ces installations et voir cet esprit, ce dynamisme de ces jeunes qui ont envie de vivre, c'est absolument extraordinaire. Alors pour ça, il y a des interfaces francophones. Si certains de vos auditeurs veulent aller un jour faire cette visite, je leur demanderai de me contacter et je leur organiserai une visite pour aller voir ces installations absolument exceptionnelles. Voilà. Hubert Habib, merci.
Je rappelle pour ceux qui auraient pris l'émission en cours que le jeudi 24 octobre à 19h, le Mnébrite régional vous invite à une conférence au centre Kling, 3 avenue Jean Médecin à Nice, et dont le thème sera le Bet Alochem, l'organisation des Invalides de Tsahal, une soirée animée par Hubert Habib, le président du Bet Alochem que l'on vient d'entendre. Participation aux frais 5€, reversée intégralement au Bet Alochem. Et on y retrouvera Aviva Diana, ici présente. Comme vous l'aurez compris, c'est une conférence importante qui entre dans le cadre de la culture régionale et qui nous permet surtout de réaliser une de nos valeurs essentielles, la bienfaisance. C'est pour cela que nous demandons une petite participation de 5€ qui seront intégralement reversés au Bet Alochem. Alors nous espérons vous compter nombreux le 24 octobre à 19h à Nice pour assister à cette conférence qui promet d'être riche en émotions et en solidarité. Un numéro de téléphone pour tout renseignement avant de se quitter, Aviva ? Je vais donner le mien, donc le 06 70 03 71 53. Merci Aviva, à bientôt. Merci et Shabbat Shalom.